Bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est avocat Hollandi Joseph Aldoff. Et puis, aujourd'hui, je vais continuer à parler des programmes Humanitarian Visa. J'ai plusieurs bagages pour nous discuter. So, m'a fait plusieurs vidéos sur lui. Et puis, ça, c'est vidéo partie limo 1. Ça me discuter aujourd'hui à ces monde qui sont frontières Mexique, ou soit moun cap sou wout pou yo entrer ici aux États-Unis. Time di nou rete. Rete kote ou ye. Pa entrer ici aux États-Unis illégal. Pa vini sou frontière parce que si ke ou fait ça, ou pa qualifié pour programme là. Et puis c'est pas seulement pas qualifié pour programme là aux États-Unis à déporter tout de suite. Premièrement, il y a passé déporter au Haïti, si que yo pas déporter au Haïti parce que Haïti pas voulait accepter ou soit gain des ordres d'Haïti, il a déporté au Mexico. Président Mexico déjà dit ou mettre voyou bon moins si Haïti pas point ou mettre déporter bon moins. So pas entrer ici illégal encore. Kotoyea, rete la, rele en famille ou, rele en zami ou, ki genyen statis ici aux États-Unis pour que yo ka supporte yon application pour ou. C'est ça que me vle faire connaître. Me pa vle pour continuer à entrer. Non, non. Kou entrer, y ap depote ou. Raison que y a fait ça, c'est parce que kounya nouveau système ça a bay tout moun ki vle entre isit yon chans pou yo ka entre isit legalman. Humanitarian visa, aux États-Unis a bay 30 000 visa et 30 000 visa sa renouvelé chaque mois. M'vle clarify, c'est pas 30 000 pour Haïti seulement, 30 000 ça la pour 4 country, li pour Cuba, Nicaragua, Venezuela, et avec Haïti, mais encore 30 000 là, renouvelés chaque mois, so wap gagne chance pas. So pas point chance encore entrer ici sans papier. Encore, y a déporté tout de suite. Relé un monde pour commencer process là pour. Ok, gardez vidéo limo 2 pour plus d'informations. Partie limo 2. N'a parlé comment que ou ka commencer process là. Limo 1, c'est yon moun aux États-Unis qui ka commencer process là pour. Si que ou Haïti ou pa ka commencer process là, moun ka bénéficier nan process là, pa ka commencer process là. Moun ki commence process la, c'est moun n'appelé les supporter, moun kap supporte ou pou application, ainsi que ou même Haïti. Moun kap supporte ou la, fok moun sa rete ici aux États-Unis. Non, kenepot etat nan aux États-Unis. Fok moun sa se yon citoyen, ou soit moun sa gen 4 résidences li, ou soit moun sa gen TPS, ou soit moun sa genyen papye isi ke li ka travay. Depi moun lan genyen statis isi, moun lan ka travay isi aux États-Unis, moun sa ka sipote ou mèm avec fami ou. Moun kap sipote ou la fok li pase sa yo ele yon background check. Ça veut dire yo vle checke histoire moun lan pou yo fè si ke moun kap sipote ou la c'est pas un moun ki criminal, c'est pas un moun kap sipote ou pou ke yo fè vie bagay avec ou soit ou même ou fè vie bagay avec yo. Mais y a fè yon background check pou moun lan passe. Et puis troisièmement, fò moun sa kap sipote ou la fò ke yo montre ke yo gen sifi de finances pour yo ka supporte ou. Ça veut dire l'on vin ici, y a bon côté pour dormir, y a ka paye bill pour ou, y a ka met manje nan ventou. So fok moun sa gen sifi de l'argent
pour que mon ça s'y porte ou même. Dernièrement, ça qui est plus important, c'est mon qui s'y porte ou là, qui a commencé le process là. Mon a boilé sous computer parce que c'est un process qui est seulement sous computer et puis il a allé dans le website ça pour commencer le process là. La file form I-134A, form I-134A. Ok, so regardez vidéo numéro 3 pour plus d'informations. Et ça, c'est vidéo numéro 3. M'a parlé de qui est-ce qui a bénéficié visa ça. Numéro 1, fok moun la de yo de aux États-Unis. So ça veut dire fok ou Haïti, ou soit au Brésil, ou soit au Chili, ou au Canada, ou à Kenepot côté, mais ou pas ka en dedans. Aux États-Unis. Numéro 2, faut que vous soyez national de Haïti. Ça veut dire que vous êtes haïtien, vous faites Haïti, vous êtes citoyen Haïti, vous soyez haïtien. Ou soit, si que vous appliquez en famille, moun ki en tête application, faut que moun sa se national Haïti. L'autre moun yo depuis ses famille, immediate famille. Immediate famille, ça veut dire madame Marie ou soit petite. Moun sa yo yo pas besoin citoyen Haïti, mais famille qui en tête application faut que li même li se yon national de Haïti. Numéro 3, faut que ou même bénéficier à gagner yon moun ici aux États-Unis qui pour supporter application là. Parce que c'est moun aux États-Unis qui a commencé process là pour. Numéro 4, faut que ou gagne un passeport qui pas expiré pour ka voyager. Numéro 5, faut que ou passe sécurité. Ça veut dire aux États-Unis a fait yon sayo de background check sou pour yon faire si que ou pas yon criminal. Numéro 6, si que aux États-Unis vle pour point vaccine avant que ou entre ici, faut que ou d'accord pour obéir à loi de santé aux États-Unis. Et numéro 7, faut que ou gen sifi de l'argent pour acheter ticket pour que ou ka monte avion pour que ou ka veni aux États-Unis. So c'est tout bagay sa yo que si que ou gen ou même ou qualifié pour que ou bénéficie pour que yon moun aplique pour nouveau visa humanitarian la. Ok, gade l'autre vidéo pour partir limo 4. Et puis ça, c'est dernier vidéo partir limo 4 qui m'a expliqué programme humanitarian visa pour Haïti. Dans la vidéo ça, je voulais expliquer qui est-ce qui pas qu'à bénéficier sous visa ça. Limo 1, si que ou gagne permanent résidence dans yon l'autre pays, ou ka pou pa qualifié pour visa ça. Limo 2, si que ou se yon national pour deux pays ou gagne double nationalité, ça veut dire pour exemple pour citoyen Chili et puis citoyen Haïti. Ou soit si que ou a vive dans yon pays qui bao refuge. Ou ka pou pa kalifye pou visa humanitarian sa. Si seulement pays sa ke ou gen double national la, ou soit ou se refuge la dan la, si pays sa gen même programme visa humanitarian Haiti sa, kounya ou ka pou kalifye pou li. Pour exemple, si ke ou gen double national Venezuela, ou se citoyen Venezuela ou citoyen Haiti, comme tous les deux pays ça gagne programme ça ka pou toujours qualifier pour programme ça. Numéro 3, si ou pas passer sécurité aux États-Unis ou pas qualifier pour programme ça. Numéro 4, si que ou te gen un ordre de déportation 5 ans avant jodia ou soit ou te gen un ordre de déportation qui plus long que ça et puis li poko expiré ou pas qualifié pour programme ça. Numéro 5, si que ou traverser frontière aux États-Unis pour que ou entrer ici aux États-Unis illégal. Même si ou pour un bâtiment ou entrer ici illégal ou ka pou pas qualifié pour programme ça. Aux États-Unis vle si que ou venir ici
pour montrer avion pour venir ici dans avion. Yo pas vle pour traverser frontière, yo pas vle pour prendre bâtiment pour entrer ici illégal. Si que ou entrer illégal, y a point, y a déporté et puis ou pas qualifié pour programme ça. Yon exception, si que l'air officier à Québec et puis ou même ou volontairement retourner Haïti, dit OK, m'a retourner Haïti, qu'on y a aux États-Unis pas payer pour déporter ou gagne yon seule chance comme ça et puis ou ka pour toujours qualifié pour programme là. Yon seulement ba yon seule chance. Et le mot 7 ou pas ka qualifié pour programme là si que ou moins que 18 ans sans parents. Si que toujours gen question, relevez-vous. Ciao.